Bonjour Tony, ici Firaxfilm et aujourd'hui, oui ça fait un petit bout, aujourd'hui on continue la map aventure Deadlock, The Journey Begins. Donc on est rendu à l'épisode 5 et puis... Non c'est pas la... C'est genre la troisième fois que je viens de faire ici. Haha, bon, donc ouais. Aujourd'hui, où c'est qu'on était rendu la dernière fois, on était allé poser la plaque là. Puis ça on l'avait fait deux épisodes avant parce qu'on n'était pas supposé aller là mais finalement on y était allé. Puis on avait... Wow wow wow, il y a du peuple ici. Tac tac. Là, je t'ai eu. Oh like a boss. Bon donc aujourd'hui à côté de moi ben j'ai ma soeur. Salut Anouk. Salut. Donc c'est ça. Ah la porte est ouverte. Ah, oh, il y a une pressure plate, puis quand ils veulent sortir, ben ils font rien marcher. Non, je vois le problème ici. Il avance pas. En tout cas, c'est parce qu'il y a une armure en or, j'aimerais ça l'avoir. Ok, donc où c'est qu'on était? Et la dernière fois, c'est comme avant, ça fait super longtemps qu'on a ce livre-là, on était rendu ça. Donc le gars il est content qu'il est allé jusque là parce qu'on avait, tu sais, c'était la place, c'est qu'on avait des échelles et des échelles, c'était l'épisode 2 là, c'est pas longtemps de ça parce que après ça on s'est rendu compte que fallait qu'on aille par l'échelle qu'il y avait là. Ça fait longtemps là, on sait qu'on s'était rendu compte qu'il y avait une échelle ici là. Bon, ben que je m'étais rendu compte parce que je suis pas vite. Comment ça va être sous là. Donc, après ça, il dit, prends la key, puis le mettre sur les blocs d'or. Et puis là, c'est la fin de notre épopée. Donc, on va sûrement battre le Wither Boss. Mais j'ai une armure full diamant, puis j'ai une épée en diamant, donc j'ai vraiment pas le choix. Donc, on se lance. C'est peut-être le dernier épisode, en fait. Hein. Mais, attends, avant de faire des conneries. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me régénérer. J'ai combien de flèches? J'ai 41 flèches. Je vais pouvoir les battre à distance. Parce que quand tu vois un boss, les battre à distance, c'est tout le temps bien une idée. Qu'est-ce que ça fait ça? Bon, c'est ça. Fait qu'il appelle le Wither. Ça y est pris. 30 ans et 2 jours. Oui, de la terre. Hein. C'est bien vilain. Oh my god, un beau avec Infinity. Puis, 3. Oh my god, je suis avec 5 pommes d'or. Donc, ça va. Non, je vais torcher le peuple avec ça. J'ai une autre épée en diamant. Je vais la mettre. Il y a une autre pomme d'or. Ouais, désolé. Merci, Anouk. Donc, je vais laisser ça là. Tu sais, je vais laisser des choses comme ça. Si je meurs. Pour pouvoir me rééquiper en stuff. Donc, bah non, mais j'ai un arc infinity, fait que j'ai pas besoin de flèches. Je vais laisser de la bouffe. Ah, je vais tout prendre une pumpkin pie, mais je vais laisser celle-là, et je vais laisser celle-là. Je vais laisser celle-là aussi. J'en ai pas besoin, ça 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 j'en ai pas besoin. Même ça j'en ai pas besoin. Ça aussi j'en ai pas besoin. On est rendu là. Donc, c'est ça. It makes sense. Donc, en fait, le gars, il doit sûrement se rendre compte que ça fait bien du sens. Il prend les deux scènes, Ah, c'est ça, Mr. Turner. Ça, c'est le professeur du début. C'est son mentor. Puis, il travaillait en deadlock, puis, c'est ça. C'est ça, c'était son oncle. C'est son oncle, puis, il fait une... C'est lui qui a travaillé sur le Wither, donc le gros boss impossible à battre. Donc ils ont fait un super monstre qui s'appelle le Wither. Donc c'est contre la loi.
Bon, fait qu'en gros, faut qu'on aille battre le Wither, puis on n'a pas de temps à perdre. Merde, une table d'enchant, j'aurais bien aimé, mais j'ai 18 niveaux. Je vais faire un enfant de merde. Ok. 1, 2, 3. On s'en va battre un boss. Ah, c'est énorme. On s'en va dans le Nether. Ça fait la vie. Oh my god. Oh my god. Oh my god, je suis déjà mangé. Ok, je suis mort. Aïe aïe. Oh non, je réapparais ici. Non, c'est pas normal. Canesse, j'ai à peine pu le toucher, ça va pas bien. Putain. J'ai laissé sa toiture, j'ai mis un arc, des flèches. Voilà. Un petit arc, si on met ça. Là, ça serait le fun que je récupère mon stuff. Un TP. Merde, pas mon stuff. Oh! Quand je perds mon stuff, je crois. Oh my god. Je venais juste de ça. C'est bien oui. En tout cas. Oh my god. Ça va être tout un défi, t'es d'accord, Nick? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pas grand chose, je suis concentré, mais pas drôle. Hein? Ah, faut que j'aille changer mon spawn.
que je suis supposé spawner là-bas, là. Et là, c'est comme pas cool que. Parce que là, je meurs avant de me rendre, tu sais, chez nous. Non, j'ai plus d'épée. Faut que je batte le Wither, puis j'ai pas d'épée. Waouh! Là. Poser le bat, j'ai aucune chance de le battre. Ça Bah, c'est bien triste, les amis, mais j'ai rien. C'est comme, c'est sûr que je vais mourir. Parce que mon spawn, ben, il est pas gardé de setter. Puis, ouais, il y a comme aucune chance que je réussisse à. À moins Cette épée en diamant-là peut tout changer. Va pas nécessairement tout changer, mais elle peut tout changer. Ok. Last try, les amis, parce que j'ai aucune chance. Aucune chance. Le touche même pas. Donc, c'est bien triste, mais ouais. Ça va être la fin de l'épisode 5 ici. Puis les pas non quoi. Et on va le tuer. Bah non, mais on veut voir la fin de l'histoire, hein. On va tuer le boss en créatif parce que c'est con survival histoire. Ok, oui, je suis vraiment nul. Et oui, donc maintenant tout le monde vous le savez. Le chapitre 3 boss est nul. Voilà, c'est pour mes DP, on dit, voilà. Vous le savez maintenant, vous le savez. J'aurais jamais été capable. Jamais, 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 j'aurais été capable de le battre. Maintenant, vous savez. Je suis en créatif, je serais mort une dizaine de fois. Voilà. Oh, c'est qui ça, ok, mais juste. Bon, donc, exemple qu'on on a été en survival jusque-là. C'est juste un exemple, hein. C'est juste pour que vous sachiez la fin de l'histoire. Bien triste d'avoir touché comme ça à la fin. Sérieux, là. Ça aurait été fun, mais non, j'avais aucune chance. Donc on retourne à la maison de Mr. Turner. Donc il fait un time machine. Donc il s'en va sauver son oncle à travers le temps.
Ah, Play sa mort en plein milieu d'une forêt. Il a oublié de setter sa time machine pour le téléporter. Donc, pour se téléporter dans le présent. Donc, il est pogné dans le temps. De quand Deadlock était en construction. Warfcat, merci pour la map, c'était super, mais moi j'aurais. Bah, c'est ça, je suis trop nul. Killfeed. Donc voilà. Oh. Ah, Warfcat. Ben merci Warfcat, c'était une belle map. Trop dure pour moi vu que je suis trop mauvais. Mais ouais. Je suis sûr qu'il y aurait plein de monde qui aurait été capable de faire ça. Mais moi non. Moi je suis pas capable de battre des monstres. Seigneur. Donc voilà. Merci pour cette aventure et à la prochaine!